Dans une interview, la célèbre youtubeuse spécialisée dans la mode et la beauté est revenue sur cette période trouble de sa vie, alors qu'elle était en conflit avec sa sœur. Lorsqu'à l'âge de 16 ans, elle poste son premier tuto en vidéo, Enjoy Phoenix, alias Marie Lopez, est loin de s'attendre à ce qui va suivre. Voyant YouTube comme un moyen de se libérer du poids des rumeurs et du harcèlement scolaire qu'elle subit, la jeune adolescente Kelly va connaître une ascension fulgurante, devenant aujourd'hui l'une des vidéastes incontournables de la plateforme. Mais ce succès, elle s'en mord aujourd'hui les doigts lorsqu'elle constate les dégâts qu'il a eus sur ses relations, notamment avec sa sœur. Elle en a souffert, révèle Enjoy Phoenix. Si Enjoy Phoenix a déjà témoigné à de nombreuses reprises sur les revers de sa célébrité, elle avait néanmoins peu communiqué sur la souffrance que pouvaient vivre certains de ses proches. Si est-il le cas de sa sœur, qui fut un temps présentée sur sa chaîne, avant de ne plus y apparaître, elle en a beaucoup souffert, révèle Marie Lopez dans l'émission d'Alix Grousset, Ma sœur et moi. Je crois qu'il y a eu un moment où on ne cesse de pas parler pendant un an si est-il long que tu es sœur, si est-il très très long. La vidéaste, qui a depuis son succès sur YouTube ouvert une chaîne Twitch, raconte que les amis de sa sœur étaient amis avec elle car elle était la sœur d'Enjoy Phoenix. Quand elle s'en est rendue compte, au lieu d'en vouloir à ses copines, elle en a voulu à moi, mais je lui en ai jamais voulu pour ça. Une période difficile en pleine saison de danse avec les stars, elle ajoute avoir été très triste, c'était son choix, elle faisait sa crise d'ado et je pense que pour elle, identitairement parlant, c'était très compliqué, car si en plus tu es dans l'ombre de ta sœur, si est-il encore plus dur. Un moment de vie difficile pour Enjoy Phoenix qui date de sa participation à Danse avec les Stars en 2015, durant la sixième saison où elle termine quatrième de la compétition. Depuis cette époque, la jeune femme a néanmoins repris contact, bien qu'elle ait emménagé en Belgique avec son petit copain, le DJ Henri Pieffard, tout en prenant désormais la parole sur des sujets d'actualité. À lire aussi « Je me suis fait démolir ». Enjoy Phoenix répond aux moqueries sur ses croyances spirituelles et prend une décision radicale. Keep